Ça fait beaucoup de travail en ce moment, alors c'est bien. C'est la boîte d'intérim. C'est la boîte d'intérim qui t'a embauché? Ouais. Non, 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 pas la boîte d'intérim. C'est qui? Ça se trouve sur le match là, par un peu. Non, plus le match. C'est combien de l'heure? C'est de 7h à 2h09. C'est bien, c'est utile, hein? Ouais. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. T'as quel âge? 18 ans. Hein? 18 ans. T'as arrêté le lycée? Non, j'ai pas arrêté, j'ai fini. T'as fini le lycée? T'es allé jusqu'où? Le bac. Hein? Le bac. T'as le bac? Bac quoi? Bac mécanicien. C'est ta mécanique, c'est ça alors, c'est le balai? Ça, c'est pas de la mécanique, ça. Non, j'ai choisi ça. En fait, c'est la mécanique et le tout ça aussi. Ah ouais. Ouais. Très bien. Ouais. Toi, c'est pas des vieilles branches. Spectacle, c'est ce que j'ai vu au Tchad. Tu fais les cercueils? Bon, mais je vais t'en commander un. En kit, hein, tu l'assembles pas. Hein? Tu peux pas en Europe. Tu peux pas en Europe. Ah non, mais tu verras avec mes héritiers, c'est pas moi qui paye. Hein. Je peux pas faire. Pourquoi tu peux pas? C'est la création de l'État, vous faites une boîte. Ah non, mais je suis l'État, moi. C'est toi l'État. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je te signe tout ce que tu veux, papier officiel. Okay. Je travaille sur Photoshop. Tu sais ce que c'est Photoshop? Oui. Moi j'ai toujours eu énormément de respect pour les faux monnayeurs. En Belgique je connaissais un. Les gars sont vendus. Hein. Fabriquez pas et vendez. Ouais. Il se fait attraper, il se retrouve au tribunal, condamné à une peine de prison avec sursis, parce que c'était la première fois, et une amende à payer. Il fallait payer son amende. Avec ses faux billets. Génial. Elle s'est fait prendre, il est parti. Génial. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, moi? Mais oui. C'est mon job, j'ai que ça. Évidemment. C'est ce que je possède. Chacun sa spécialité. Comment tu vas? Ça va. C'est quand même efficace, les tractopelles. Hein. Ah bah oui, heureusement, on a ça. Moi, j'ai un copain qui veut sortir, qui sort son bateau à Morneron. À Morneron derrière. Ouais. Il s'est fait coincer par un gros chalutier. Ah, le bleu, là? Oui. Ok. Et lui, il était le voilier qui est derrière. C'est un Canadien. D'accord. Il a pu sortir, quoi? Non, il a besoin d'un tractopelle pour le sortir. Okay. Bon, bah tu vois, ça a mis une semaine, quoi. Toutes les branches, elles viennent de là-haut. Tout est tombé du truc, là. Thank you.
Et toi, il est où ton balai? Là, c'est les sacs. Là, c'est la sueur du menuisier. À la sueur de son front. À l'appel, tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Le ciel tropical d'automne est bien calme. Quand Gonzalo est parti. Ah, c'est une boîte d'intérim qui les paye. C'est bien, il y a du boulot. Ils sont 12 là, ben voilà, tu vois. Une équipe. Quand je suis arrivé ici à Saint-Martin, j'ai engagé un jeune Saint-Martinien. Oui. Un jour, je le vois qu'il jette une cadette de Coca-Cola par terre. J'ai dit, Denis, tu jettes ta canette parce que je l'ai là. C'est pas sérieux, ça. Tu sais ce qu'il me répond? Ça crée un emploi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Il me vient à l'idée, cette chanson, tu vois, très créatrice d'emploi. Pompons la merde, pompons la gaiement. Et ceux qui nous emmerdent, on les foutra dedans. Un dossier de victime, j'étais victime. Quel genre de victime? T'as été agressé? T'as été volé? Mon patron, il a tiré la chaise. Ça fait 2009. Et mon dossier, c'était placé sans suite. Et Les prud'hommes, tu veux dire? Il a cassé non, quoi? Non. Au pénal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé une chaise? Non, il a tiré une chaise sur moi. Tiré une chaise sur moi. Une chaise. Et j'étais assis. Ouais. Et il a tiré une chaise sur moi. Ciblé. Sur moi. Incroyable. Oui. T'as été blessé? Oui, blessé. Combien de temps t'as été arrêté? Le docteur, il a donné moi 7 jours. Oui. Je sais parce que j'étais en urgent. Oui. Et il a pris la radio et tout. Et la radio a dit L4, L5, le 10. A percé. Il y a combien de temps? Et je fais. Il y a combien de temps? 2009. Et je restais 4 ans sans travailler. Tellement ça t'avait fait mal. Oui. Merde alors. Et j'étais travailleur handicapé. Oui. Il faut je mets ça. Mais alors là, tu peux plus baiser alors. Un peu. Et combien de fois par mois? Je sais pas, je peux pas voir. Tu dirais que tu... Non, mais c'est pour ça. Regarde le problème de ça. Et mon patron, il était un classé sans suite. Qui c'était? T'avais un avocat? J'avais deux avocats en Saint-Martin. Hein. Qui c'était les avocats? C'était Maître Duhamel, il était une, et Maître André, une femme. Rien marche. Ben, ça dépend, oui. Ça dépend. Rien marche en Saint-Martin. Enfin, faut pas non plus prendre ton expérience pour le fonctionnement global de la justice. Mais les conseils de prud'homme, effectivement, il faudrait concilier davantage et perdre moins de temps dans les procédures. Il y a eu un jugement qui a été rendu ou pas? Oui. Et t'as perdu? Oui, j'ai perdu parce que c'était clôturé la date. Ah, merde. Tu sais, parce que l'avocat, eux, il n'était pas sur mon côté.
j'étais victime, j'ai tout mon radio, j'étais en Martinique, en Guadeloupe, en train de voir le spécialiste pour le dos et tout. Ouais, hein. Ouais. Tout, j'ai tout mon radio, irien, tout. Et c'est marqué. Et j'ai deux témoins. Et quand même, et mon dossier s'était expiré parce que mon avocat, il n'a pas travaillé sur avec moi. Ah merde. Non. Et toi, tu l'as pas. Ça, c'est pas bien. T'as pas pu lui payer tous ses honoraires alors. Bah oui, c'est ça. Parce que j'étais blessé et je peux pas travailler. Et ta personne t'a dit que t'avais le droit à l'aide judiciaire. Regarde. J'ai porté plainte. Ouais. J'ai porté plainte. Et le gendarme à Savannah n'a pas jamais donné moi. T'as eu combien de temps d'ancienneté dans cette entreprise? 9 ans. Il y était depuis 9 ans. Oui, 9 ans j'ai travaillé. C'était quoi comme entreprise? Elle existe toujours cette entreprise? Je crois. C'est qui? MG. De Sanigong. Et c'est dur, hein. Et c'est dur parce que nous les victimes, la loi de Saint-Martin ne regarde pas. Non, il n'y a pas de loi spéciale à Saint-Martin pour le code du travail. C'est ça. C'est la loi française. Mais là, tu as eu des problèmes parce que tu n'as pas pu payer l'avocat, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. Le gendarme a même donné moi un papier qui dit contacter l'aide des victimes. Et c'était dur pour moi. Et tu avais un témoin? Oui, deux témoins. Tu vas à l'église? Non. Ah, tu aurais dû prier Dieu peut-être alors, non? Oui, je crois aussi. Oui, je crois. Hein? Dieu s'occupe de Saint-Martin. Hein? Oui, pas la loi. Et moi, je peux dire ça parce que, et c'est pas normal en Saint-Martin, il faut Saint-Martin pour être tout seul. Moi, je suis la victime. Saint-Martin, c'est le manteau partagé, on dit, hein, entre les riches et les pauvres. Oui, alors. Non, c'est la vérité. Faites pas chier les riches ou les pauvres. Hein? Oui, c'est la vérité parce que moi, j'ai remarqué ça. Ouais. Je te jure. Je m'appelle Hodge Michel, j'ai remarqué ça. Hodge? Oui, Hodge Michel. En fait, il n'y a que les talibans qui sont efficaces. Ouais. T'es un taliban, toi. T'es reconnu. Ça va? Ça va? C'est toi le champion? Hein? C'est toi le champion? Alors moi le champion, c'est le cyclone qui est le champion. C'est le cyclone qui a fait tout. Elle fait du boulot, hein? Ah oui. Je ne peux pas plus. Mais remarque, il n'y a pas eu de toits qui ont sauté. Il n'y a eu que des arbres, des pylônes et les bateaux. C'est le Chopin du tractopelle, t'as vu la poignée de main qu'il a? Il est bon. Tu saurais le conduire, ça? Ouais, c'est facile. C'est facile? Ouais. T'as ton permis? Des élévateurs? Non, pas encore. Bientôt. Ah oui, c'est bien. Enfin, c'est dommage, il n'y a pas non plus un siphon tous les mois. Moi, Dieu. Il y a pour le work pour le youngster need work. Yeah, le jeune, il faut du travail pour le jeune aussi. Et bien voilà, c'est ainsi que notre reportage s'achève. Les oiseaux chantent. C'était une production de Jabiru. Vous connaissez sa devise, scout toujours. C'est hyper clean. Vous voyez, la rue est belle maintenant. Bon, il a fallu attendre un certain temps, une semaine, mais bon, les feuilles étaient sèches.
C'est une voiture hollandaise qui n'est pas aux normes européennes, mais en fait elles sont vendues au même prix. Bonjour, bonjour. Nous verrons à ton retour, ouais. Surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa mère te caresser le bas des reins. Écoute-moi et ne dis pas non. Voici ton livre et tes crayons. De moi n'auras-tu donc jamais pitié. En temps je ne peux plus crier. Petit Gonzalez, je t'en prie reviens. Petit Gonzalez, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la